Alors, je vais donc vous montrer en direct comment je fais mon premier retrait avec cette application dont je retire de l'argent déjà miné, puisque le retrait minimum ici est à 10 $. Donc, je vais faire le retrait direct sur l'application. Vous allez voir comment est-ce que ça se passe pour que vous sachiez que c'est vraiment fiable. Alors, lançons-nous directement pour le retrait. Donc, vous pouvez voir que solde total, ça a déjà été crédité. 10,41. Waouh! Ça, c'est vraiment cool, non? Très intéressant. Si vous êtes nouveau, alors faites comme moi. Abonnez-vous, cliquez ensuite sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir de nouvelles vidéos lorsqu'elles sont publiées. Ok, salut, salut une fois de plus à vous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons continuer dans la même lancée avec nos applications rémunératrices, avec nos applications permettant de gagner un peu d'argent en ligne, avec nos applications permettant de gagner des crypto-monnaies en ligne très facilement en effectuant quelques tâches, en faisant quelques petits jobs en ligne. Donc la première application nous donnera juste la possibilité de pouvoir publier des photos, liker des photos, commenter des photos et on nous paye pour cela. Très facile, non? Et la deuxième application, elle, nous permettra de faire directement du minage dans une plateforme de trading en ligne sous forme d'application. Et en faisant cela, nous allons obtenir quelques dollars en BTC, si nous voulons. C'est aussi très facile, très simple. Donc, on va directement aller sur notre première application qui s'appelle Divi Social. Alors, il y a une tendance aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui stipule que de nouveaux réseaux sociaux qui naissent toujours de nos jours permettent à plusieurs personnes de pouvoir gagner de l'argent. C'est-à-dire, on n'est plus totalement perdant sur un réseau social. On like des photos, on nous paye. On commande des photos, on nous paye. On publie des photos, on nous paye. C'est la nouvelle donne. Et c'est aussi la nouvelle donne pour les publicités dans plusieurs plateformes. Alors, sur réseau social, par exemple, si j'entre dans mon profil, vous allez voir qu'il s'agit juste de publier des photos. Une fois que vous publiez des photos, des gens vont liker. Et une fois que les gens likent, ça vous donne des points, comme vous pouvez voir ici en haut, 6221 points. Donc, ça vous donne les points. Et les points là, vous pouvez directement convertir ça en argent. Donc, sur la page d'accueil, vous pouvez voir que je peux liker des photos, par exemple. Je like. Et ça m'augmente les points, comme vous voyez ici en haut. Il y a également quelques publicités, il y a également quelques partages du parrainage que vous devez faire pour avoir un peu d'argent. Donc, si la thématique vous intéresse, commentez ou encore allez sur le lien de description de ma vidéo, inscrivez-vous directement et je pense que vous allez directement gagner vos premiers points. Installez l'application, utilisez au maximum, likez des photos et quelques jours plus tard, donc je vous montrerai comment on fait le retrait à travers cette application. Mais la deuxième application de la journée aujourd'hui, je vais vous montrer en live comment je fais le retrait. Je dis bien en live comment je fais le retrait. Donc à ce niveau, vous allez voir que sur Withdraw, on nous demande, on nous montre les anciennes transactions que les gens ont eu à faire, les précédentes transactions les plus récentes. Ici en bas, on nous dit que lorsqu'on a 11 000 points, on peut directement convertir en 0,01 euro. Et c'est très simple, vous appuyez sur convert et ça convertit. C'est juste parce que je suis encore à 6 000. Et je vous rassure que avoir 0,01 euro, c'est très facile. C'est avoir 11 000 points. 11 000 points là, c'est très facile même. Ça, c'est ce que j'ai fait en quelques jours et je ne suis même pas régulier dans l'application. Si on passe sur Withdraw, on nous montre toutes les plateformes de retrait. On a ici Coinbase, on a RTM, on a Payeur, on a Perfect Money, on a AdCatch, on a PayPal. Donc, si vous, les seuils de retrait sont minimales, on a 0,17 euros, 0,17 euros, 0,95. Sur PayPal, vous avez 0,95. Si vous n'avez pas encore compté PayPal, allez sur la vidéo où je vous montre comment on crée le compte PayPal qui vous est affiché ici à l'écran. Donc allez juste sur la vidéo et apprenez, créez votre compte PayPal quelle que soit votre position géographique.
vous allez pouvoir le faire très simplement. Et lorsque vous allez atteindre le seuil de retrait, vous choisissez votre méthode et directement vous lancez le retrait. C'est très simple. Alors, vous pouvez également utiliser certaines de leurs applications pour avoir plus. Donc, créez vos comptes à travers mon lien de l'application qui est à la description de cette vidéo. Alors, nous allons directement passer sur notre deuxième application de la journée. Et oui, notre deuxième application de la journée, c'est l'application StormGain. StormGain est une plateforme qui vous permet de faire du minage. Je dis directement du minage. Si vous ne savez pas ce que le minage veut concrètement dire, je vous laisse le choix de faire des recherches et de pouvoir voir mes autres vidéos. Alors, avec StormGain, vous pouvez directement gagner des crypto-monnaies. Vous pouvez directement gagner des BTC en USDT. Donc, vous pouvez juste vous inscrire dans l'application. Comme vous pouvez le voir, vous vous inscrivez dans l'application. Sur la description de cette vidéo, vous allez trouver le lien d'inscription direct de l'application. Donc, vous vous inscrivez, vous téléchargez l'application et vous partez juste sur le menu minage. Donc, comme ici, vous allez venir sur miner. Vous allez voir ce tableau de bord et on va vous donner vos capacités de minage. Vous tapez juste ici et directement vous allez lancer le minage. Alors, je vais donc vous montrer en direct comment je fais mon premier retrait avec cette application. Donc, je retire de l'argent déjà miné puisque le retrait minimum ici est à 10$. Donc, je vais faire le retrait direct sur l'application. Vous allez voir comment est-ce que ça se passe pour que vous sachiez que c'est vraiment fiable. Alors, lançons-nous directement pour le retrait. Alors, on dit retrait en cours. Il faut généralement compter entre 5 minutes et 2 heures pour que les fonds retirés soient crédités sur votre compte. Donc, c'est vraiment fiable. On appuie sur OK. Et boum, le retrait est effectué. Nous allons aller revoir nos comptes après un certain nombre de temps pour voir si tout s'est bien passé. Alors, je peux continuer le minage dont je vous disais tout à l'heure. Pour pouvoir faire le minage, on clique juste ici. Et boum, on nous demande de confirmer ce captcha, le nouveau type de captcha. Tac. Et là, c'est bon. On dit vos fonds ont diminué. Vous avez moins de 20 USDT dans votre portefeuille. Nous vous recommandons d'ajouter des fonds à votre portefeuille pour continuer à trader sans limite. Alors, puisque j'ai fait le retrait n'est pas encore parti. On me demande d'ajouter des fonds dans mon portefeuille pour pouvoir bien faire du trading. Alors, mais le minage a déjà été lancé. Donc, vous pouvez faire des versements ou encore des dépôts. Vous pouvez faire des dépôts dans votre portefeuille. Et une fois ces dépôts effectués, vous pouvez donc faire vraiment du trading, c'est-à-dire faire les placements de crypto-monnaie et avoir des revenus ou encore des bonus selon ces classements. Le minimum de dépôt ici, je pense, c'est à 20 ou 50 dollars, je pense. Donc, vous pouvez voir que solde total, ça a déjà été crédité, 10,41. Waouh, ça c'est vraiment cool, non? Très intéressant. Alors, je peux décider de retirer cela vers un portefeuille électronique. Je peux décider d'échanger, je peux décider de faire un nouveau dépôt pour pouvoir augmenter mon taux de minage. Alors, donc, inscrivez-vous à travers mon lien de description. Inscrivez-vous. Vous allez voir ici que dans ma communauté, j'ai déjà 7 personnes. Donc, continuez à vous inscrire et cela nous permettra d'avoir plus. Merci.